Et bien bonjour tout le monde, c'est LemiKoopa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma tenue, hein, je suis... Merde. Voilà. Comme ça moi déjà j'ai beaucoup plus de défense. Il faudrait que je pense à me racheter des vêtements en vrai. Mais du coup parce que j'avais la flemme de chercher hors vidéo d'autres sanctuaires. Et puis il y en a un qu'on avait déjà trouvé, qu'on avait essayé même de faire en vidéo, que j'avais essayé de faire de mon côté. Mais c'était avant qu'on fasse Mipha. Et du coup, ouais, ce qui veut dire que c'était dans les 14 premières vidéos. Ouais. Et du coup, bah voilà, on va aller faire ce truc-là en espérant qu'on puisse gagner maintenant qu'on a plus d'armes, plus de boucliers, d'arcs, de flèches. On va essayer de le faire. Et puis si on y arrive, tant mieux, on se mettra un cœur en plus et puis voilà. Et si on n'y arrive pas, bon bah, fait chier. Enfin, il n'y a pas d'autre mot que je puisse dire à part fait chier. Par contre, oh, des... bizarre ce truc là-bas. Il y a des trucs que j'ai l'impression qu'on puisse faire ici, mais à part le sanctuaire, en vrai, je sais pas. C'est bizarre. Ouais. Oula. Attendez. Oh putain la caméra. Oh ouais. Parfaite comme ça. Oh les chiens, ils nous enlèvent nos. Mes bonnes d'enculés. Pourquoi vous me les désa. Ah bah oui, on va continuer à utiliser celui-là. Hein. Il fait 15, certes, mais. Oh merde. Non, pas toi. Non, toi, j'ai envie de te jeter, mais je peux pas, t'as de la durabilité. Bon, allez, maintenant qu'on est un peu plus entraîné, qu'on a plus de cœur et tout, on va essayer de lui niquer sa mère. Et plus d'endurance, surtout. Oh putain, qu'est-ce qu'on avait besoin d'endurance à l'époque, hein. Ça. 3000 PV, hein. Hop. Allez, ça va prendre un peu de temps. Hein. Hop, voilà, on va prendre le deuxième. Oh, belle esquive. En plus, regardez les armes qu'on va avoir si on le bute, ça va être magnifique. Oh putain. Allez Link. Ok, on lui a retiré 1000 PV. Bon, ça pue la merde en soi, mais bon. Attendez, on va peut-être utiliser autre chose là. Non, ça on va le garder parce que ça peut être très utile. Par contre, on va utiliser... Quoi ? Ouais, ça lui a fait pas mal de dégâts. Allez, on lui a retiré la moitié. Aïe, je voulais tenter un truc stylé. Attendez dans le doute. Eh, au moins, c'est fait. Me critiquez pas, vous l'auriez fait.
En plus, ça nous avance sur le 100%. Alors, bon, est-ce qu'on va s'en plaindre? Je dis ça alors que je le ferai sûrement même pas. Hein. Ouh. Allez, on lui a retiré 2000 PV. C'est parfait, c'est magnifique. Putain de bordel de merde. Allez. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple maintenant. Hein. Contrairement à l'époque du mois de mars. Ou d'il y a quelques jours, si vous regardez tout le let's play en one shot, ce qui serait très inquiétant, sachant qu'il y a plusieurs heures de vidéo hein, pour arriver à là. Ouh, dans l'œil! Ça y est, 373 PV. Qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai un peu peur là. Et merde. Attendez. Oh merde. Allez, 55, 43, 30. Merci. Oh bah là. Alors là. Ouh. On va en prendre de la photo. Oh ouais putain. Oh ouais bordel. Oh. Oh putain ça fait du bien. Allez viens là mon coquin. Oh oui une hache de gardien. Ouh. Bon est-ce qu'on a de ça? Est-ce que c'est un peu? Non? Ah je suis un peu déçu. Hop. Cœur antique. Hop. 40. Bon, ça, ça pue la merde. Et toi? Donc, dans le doute. 60, 20, 40. Déjà, c'est pas dégueulasse hein, pour ces trois-là. 24... Ah, si, on en a déjà 60. Mais c'est un brise-montagne. Bon, bah, on va se remettre avec l'épée royale, sachant qu'elle est bientôt morte. Bon, bah, yes, hein, on a réussi. Bon, du coup, 5 minutes. Oh, ça va, hein, je m'attendais à plus, honnêtement. Mais bon. Allez, qu'est-ce que tu me donnes, là? De la thune, j'ai... Non, mais c'est très intéressant. Vitesse d'escalade conçue d'après des technologies antiques pour faciliter l'ascension des falaises. Ces gants permettent de moins glisser et de mieux assurer ses prises. Ah, ça, c'est très bien. Toi, je vais bien t'aimer. Allez, pour la peine, je te prends. Parce que... Vous savez que ce qui m'énerve le plus, c'est que je sais que je vais oublier. Parce qu'à un moment donné, je vais devoir changer de tenue, forcément. Mais quand on va devoir escalader, je vais l'oublier alors que c'est le truc qui peut être littéralement le plus utile, en fait. C'est affreux. Yay. Alors, merci. Bon. Maintenant qu'on en a 8, où allons-nous? Déjà, est-ce qu'on peut faire une quête? Parce que quand même... Faut qu'on s'avance un peu en termes de quête annexe et tout, voilà, vous savez, hein, vous comprenez très bien ce que ça fait tire. Ah putain, je vais éternuer. Eh bah putain, après une trentaine de vidéos, on termine enfin. Eh bah va bien te faire enculer. Ouais. Bon, attendez, j'ai un doute là. Il toute seule. Ouais, bah oui, du coup, ouais. Ouais, ouais, ils sont bien renseignés. Attends, c'était quoi ça? C'était un linel, je crois. Oh. Ouais, non, vu qu'il n'y a pas de... Non, on s'en tape, du coup. Ça, par contre... Ah oui, fontaine de la grande fée. Bah, au pire.
On va y aller parce qu'on aura quand même quelques trucs à améliorer. Alors voilà. Et puis en même temps, vu qu'on est à Akala, je crois, on ira au village. Voilà, c'est sympa. Le petit village d'Akala. Putain, on aura vu plus de d'écran de chargement dans cette vidéo que de gameplay, j'ai l'impression. Alors qu'on a fait 5 minutes de gameplay déjà. Oh là là, quelle connerie. Hein. Merde, j'ai pas vu la rumeur. Fais chier. Ah non, c'est pas Akala ici. Ah si! C'est... Non, toi on t'a eu, d'accord. Hop hop hop. Voilà, comme ça au moins on le verra mieux sur la carte. Hein. En bas à droite. Ah bah merde. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des trucs que je voulais visiter aux alentours. Du coup, on va peut-être enfin pouvoir profiter à le faire, hein, après avoir amélioré nos trucs. En plus... Oh, attendez. Attends, quoi? Vitesse nuit. Parce qu'il y a quand même des faits qu'on va devoir prendre. Non, mais où? Bah oui, ouais... Si on peut ne pas avoir de game over même après avoir perdu le truc de Mifa, faut se faire plaisir. Bon, je sais pas quoi ça sort, les fleurs armo. Voilà. Allez, viens là. Allez, viens. Petite fée. Oula. C'est bon. Je suppose qu'on a tout pris. En scène. Oh, tu es revenu. Bien, montre-moi tes vêtements. Tel que tu me vois, je peux rendre tes vêtements très résistants. Est-ce que ça t'a... Oh oui, ça m'intéresse. Mm-hmm. Ah ça, ça va être intéressant, sachant que bah du coup, on va devoir rester dans le froid. En soi, ouais. Hein. Voilà. J'ai terminé. J'ai fait du bon travail. Parfois, quand tu portes tout un ensemble, un étrange pouvoir apparaît. Oh. Dans le doute. Ouais, non, c'est ce que je pensais. Ah, merde. Ouais, bah non, au pire, on va améliorer d'autres trucs. Hein, on va se faire plus. Tant qu'on peut améliorer des trucs, on s'en fout. Moi, je voulais améliorer l'antifroid parce que c'est ce qu'on va avoir besoin. Bah, en allant dans le village des Piaf. Et même un peu plus tard, quand on sera dans le désert. Quand il fera nuit, du moins, dans le désert. Donc, voilà. Dans le désert, Gerudo. Casque de soldat. Armure de soldat. Attendez. Ok, ok. Ok, bah on va améliorer la tenue de soldat. Hein. C'est con, mais au moins, voilà, ça nous fera plus de défense. C'est mieux que rien. Faut pas cracher dessus, mais un petit peu quand même, parce que c'est une tenue assez basique, je suppose. Oui, occupe-toi. Non, pas toi. On a plus de bleu que de rouge. C'est un peu dommage. Mais bon, vu que je préfère le bleu en termes de couleur, alors... Oui, c'est du racisme contre les rouges, alors... Du coup, est-ce que ça veut dire que je suis anti-URSS? C'est une vraie question. J'avais cru qu'il y a eu un bon. J'ai terminé! Oui! Ok, donc. Ouais, en fait, là, je vais pouvoir améliorer qu'un seul truc, quoi. Ah, mais c'est déjà amélioré une fois, ces trucs-là, ok. Bah, on va prendre la capuche parce que c'est le plus stylé, de toute façon. Et c'est fini. Waouh. Ah, parce que tu peux. Ou oh, l'autre est... Ah, je l'aurais pas cru, celle-là. Armure de soldat, non, non, non. Attends, voilà, comme ça, c'est un peu mieux, hein. Ok, de chauve-souris, jambière de soldat, armure. Ouais, bah, allez. Hein. Tant qu'on peut avoir une tenue très cheatée contre les ennemis, moi, ça me va. Ah oui, je sais. Franchement, j'aurais pas cru qu'elle m'aurait dit « Ah, tu veux que je te mette un autre vêtement ?» Bon, bah, allez, allez. On améliore encore, on va se ruiner notre race de merde. Oh putain de merde. Oui, je sais, t'es contente. Je me demande c'est quand qu'on va avoir la tunique verte. Non, parce que...
il la faut à un moment. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si on peut l'avoir dans le jeu. Moi, je pense qu'on peut l'avoir, mais j'ai peur que ce soit avec des amiibos. Et si c'est avec des amiibos, ça me casserait vraiment les couilles en soi. Attends, quoi? Oh, l'autre. Bon, bah allez, on va encore améliorer, mais allez, on va se mettre bien, là, on va cheater. Et les ennemis vont pas nous faire mal, maintenant. On va les enculer. Putain de merde. Oh, mon Dieu. Je comptais améliorer d'autres vêtements, mais on dirait que ce n'est pas possible. Je pense que c'est peut-être une bonne chose, hein, parce que là, ça fait déjà 3-4 minutes qu'on est ici. Hein. Voilà, ce sera temps de s'arrêter. Bon, alors, dans les tenues les plus... Ok, donc attends, si je mets ça, plus ça, on est à 42. Et c'est littéralement la tenue la plus puissante qu'on a, du coup, on va la garder. Ouais, ouais. Ah, maintenant on est un putain de guerrier. Allez, carotte vigueur. Bref. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va avoir de l'orage? Herbe d'Hyrule, blablabla. Je me demande si j'ai pris les fées en photo. Non, toi, on t'a déjà pris. Ah oui, voilà, c'était là que je voulais aller voir. Bon, en vrai, ça se peut, on a été voir et je m'en rappelle plus. Hein. Mais bon, dans tous les cas, on va redécouvrir. Oh, le chien. Oh, on l'a eu. Let's go. Ça y est, ça, c'est réglé au moins. Ouais, non, lui, on l'a fait, ce sanctuaire. Non, je suis sûr, on a été ici, mais dans le doute, j'ai quand même envie d'y aller. Parce qu'on ne sait jamais. Et puis, de toute façon, il y a peut-être des objets assez sympas ici à récupérer. Ah, Korogu. Quoi ? Vous vous foutez de ma gueule ? Non ! Non, je parle plus. Là, je veux pas. D'ailleurs, il y a un truc que je me demande. Yes, on oublie ce qui s'est passé. Vous avez intérêt à oublier. Il y a un truc auquel je pense, c'est genre, est-ce qu'un jour, vu qu'on nous a mis l'octo-expansion, le DLC de Bad Splatoon 2, le DLC de Animal Crossing et le DLC de Mario Kart 8, moi je me demande, est-ce qu'un jour on aura les DLC de Breath of the Wild? Parce qu'en soi, moi ça me dérangerait vraiment pas de les avoir, sachant que ça peut énormément nous aider sur l'aventure, vraiment... Le jour où ils vont le faire, en espérant que ce soit, espérant qu'on est encore en plein dans le let's play, qu'on n'est pas prêt de l'arrêter, hein, parce que si on est proche de la fin du let's play, à part le mode expert que je pourrais faire, voilà, et encore, si je fais le mode expert, sachez que en vidéo, on se concentrera sur l'histoire, et de mon côté, je me concentrerai sur les sanctuaires et les trucs annexes, hein, vraiment. Je les ferai de mon côté, parce que je sais qu'en vidéo, je vais trop rager. Déjà que j'ai ragé avec... Voilà. Et si vous avez pas compris, bah tant pis pour vous. Ah non, pas encore. Ah, il m'a trollé, le petit bête. Ça m'étonne que je l'ai pas fait, lui, à l'époque. Enfin, à l'époque de quelques mois, quand même, mais bon... Ok, là j'appuie pas sur X ou sur B parce que... Oh, j'ai peur. Là, faut aller se faire foutre par contre les mecs. Hein. Et en plus il pleut.
Ok, vu qu'il flotte, on va vite changer de vêtements en prenant ça, vitesse escalade. Putain, ça, on est passé de 42 à 27. Hein. Je vais me suicider. Oh putain. Oh, ça m'énerve déjà. Bon, on va aller voir cet endroit-là et on coupera la vidéo. J'aurais dû faire le Korogu hors vidéo, je le savais en plus. Mais je le sentais. Mais je voulais laisser une chance au jeu. Et ben maintenant, je regrette parce que putain, on a une averse avec de l'orage. Et ça, ça casse fortement les couilles. Ah, il y a de la gemme d'ox par contre. Ça, c'est fort intéressant. Ah, la revente. Ah, mais c'est Kilton là-bas, ok, oui. C'est vrai que c'était là-bas qu'on l'avait découvert pour la première fois. C'est vrai. Je m'étais d'abord concentré sur lui alors que je voulais aller ici, mais je n'ai pas pu le faire parce que bah, je m'étais concentré sur lui. Bref, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a ici? Une pierre. Ah non, c'est la Décilia. Eh ben putain, comme quoi. Allez, donne-moi mon cœur. Bring. Non! Va et ramène-la. Attends, juste pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez. Putain. Ok, 2 secondes. Grand écran pour tout le monde. Alors. Allez, le jeu. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, on a 11 cœurs. C'était ce que je voulais savoir. Oh putain, l'écran il est tellement parfait comme ça. Allez. Donne-moi mon endurance. Allez, fais-le. Fais-le. Et ça y est, on est à 2 barres. Let's go. Ça y est, nous sommes à 2 barres d'endurance, c'est magnifique, putain de bordel de merde. Attendez, dans le doute. Ok, non, je pensais qu'on pouvait la prendre en photo, mais malheureusement, non. Et comme de par hasard, il arrête de pleuvoir. Par contre, apparemment, il va neiger. Je sais pas, c'est ce que je comprends ici. Hein. Non, pas de couleur orange bizarre. Bon, je pense que on va. Ouais, on va se mettre à côté de la Décilia et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, eh bien, voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Putain, j'ai eu peur qu'on ait eu une lune de sang, mais ce n'est pas le cas. Bref, du coup, voilà. Eh bien, abonnez-vous et puis. Link, arrête de la regarder. Putain, c'est glauque. Et puis, au revoir tout le monde.